Dans un premier temps, il faudra dessiner. Regarde, wow, c'est énorme. Il y a le vrai Spider-Man. Les amis, aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, pour une toute nouvelle vidéo. Et vous pouvez le voir, le décor aujourd'hui a un petit peu changé, tout simplement parce que je suis avec deux invités de marque aujourd'hui. Veuillez les accueillir s'il vous plaît. Alors, et bien du coup les amis, aujourd'hui on est avec The Cheese Nut, comme vous pouvez le voir. Mais les amis, on est aussi avec RobTech. Comment tu vas, RobTech? Ça va nickel en tout cas, là je suis chaud. Et Cheese Nut, t'es chaud toi aussi? Bien sûr que je suis chaud. Ok, aujourd'hui pour cette vidéo, on est spécialement venu chez RobTech. Et apparemment, d'après ce que tu m'as dit, Team Spooky aurait une surprise pour nous. Il a une très grosse surprise, j'en dis pas plus. Ça peut être assez intéressant. Cheese Nut, t'aimes bien les surprises en plus, non? Ouais, évidemment que je kiffe les surprises. Oh là là, et bien les amis, restez bien du début jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je crois bien qu'il va se passer des trucs de fou durant cette vidéo. Oh bah, Team Spooky, salut Moïc, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Super, tranquille. Bon les gars, venez, je vous ai préparé un petit jeu, venez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Attends, Team Spooky, pourquoi? Parce qu'il y a des feutres et des feuilles et tout, qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète pas, en fait, celui qui aura le meilleur dessin, et bah il gagnera la valeur de 50€. Attends, mais comment ça? On peut gagner de l'argent, des trucs et tout, c'est quoi cette histoire avec les dessins? Alors je vous mets au défi de faire le meilleur dessin. Alors est-ce que vous êtes chaud? Parce qu'il y a vraiment des lots de ouf là. Attends. Eh, moi ça me parle de gros lots, RobTech, Cheese Nut. Nous on est plutôt intéressés. Attends, est-ce que tu penses qu'il y a de l'argent à gagner? Bien sûr, déjà on a le petit billet de 50€. Bon, vas-y, bien, on va s'asseoir tout de suite alors. Allez, installez-vous vite fait, RobTech et Cheese Nut. Vous l'avez compris, aujourd'hui vidéo incroyable. On va s'affronter avec RobTech et Cheese Nut pour un gros concours de dessin. Et celui à chaque fois qui fera le meilleur gagnera le gros lot. Apparemment il y aurait même des lots surprises mystères qui soient un peu pas très ouf. Ouais. Attends, mais je t'ai pas dit aussi, il y a une voiture en fait à gagner. Il y a plein de lots les gars à gagner. Vous êtes vraiment pas prêts en fait. Et bien les amis, dès maintenant, abonne-toi à la chaîne. Mets un gros pouce bleu, c'est totalement gratuit. Et dépêche-toi de le faire parce que comme ça, peut-être que toi aussi, tu pourrais gagner 50€. Donc abonne-toi et like la vidéo. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis avec RobTech et The Cheese Nut. Et donc on est tous équipés de nos petits feutres. Et puis bah écoute, Team Spooky, explique-nous les règles alors. Alors dans un premier temps, il faudra dessiner le billet de 50€. Alors vous êtes chaud ou quoi les gars? 50€, incroyable, beaucoup trop chaud en fait. Je vous mets le modèle juste là. Qu'est-ce que tu fais là? Faut faire le meilleur dessin de 50€ et celui qui fait le meilleur gagne le cadeau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon bah les amis, bah c'est parti alors. Et on a combien de temps? 3 minutes? Ouais, 3 minutes c'est ça, ouais. Ok, je suis pas très fort en dessin, mais je vais essayer de faire de mon mieux là. Les amis, on va essayer de faire les meilleurs dessins possibles. Bah lance le chronomètre et on a évidemment 3 minutes à partir du moment où tu le lances. 3, 2, 1, c'est parti. On a 3 minutes pour faire le plus beau 50€. Et au pire les gars, venez on fait un truc. C'est que nous trois on fait un dessin pas ouf et après on partage l'argent, vous êtes sûr ou pas? Non, moi je partage pas hein. Quoi? Mais arrête. Si je les gagne c'est que pour moi hein. Mais arrête, viens on se partage et on s'achète un petit McDo avec. Non, c'est que pour moi hein. C'est un rat hein, ouais, tu ouais, ouais. Je veux pas partager hein. Ah ouais. Venez voir un petit peu le dessin que je suis en train de faire. Alors moi de mon côté, je vais essayer de faire le petit logo 50. Je vous rappelle qu'on a quand même très peu de temps pour le faire, donc il faut qu'on essaye de se dépêcher un petit peu. Toi RobTech, de ton côté, comment ça se passe? Ah, c'est un petit peu compliqué, je suis pas très fort en dessin, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Allez, je crois en toi RobTech, tu peux le faire. Et du coup toi Cheese Nut, comment ça se passe pour ton petit dessin là? Ah bah pour l'instant moi ça se passe bien. Oh ouais. Moi je peux te dire que je pense que je vais gagner les 50€ hein. Eh, là-bas on a un dessin pas trop mal qui se prépare hein. Ouais, par contre évite de regarder. Ah, on a pas le droit de tricher. Bah on a pas le droit de tricher quand même. Les amis, regardez, Cheese Nut il protège ça. Bah ouais, faut pas tricher hein. Non mais attends mais quel tricheur c'est. Cheese Nut il pense que je triche à son dessin. T'inquiète, entre nous on peut. Entre nous oui. On peut s'entraider quand même. Vous entraînez là? Mais oui. Mais c'est de la triche. Ça fait que 1 minute 20 environ. Quoi, 1 minute 20? Déjà. Vous dépêchez là par contre. Ok, autant bah vite arriver hein. 1 minute 20 les amis pour finir. Et alors apparemment d'après certaines sources, c'est vrai qu'on pourrait aussi voir apparaître des monstres dans cette vidéo. Ah ouais, mais ça en fait je vous ai pas dit, mais vous inquiétez pas. Ok, bien les amis, vous l'avez compris, il risque d'y avoir même des monstres durant la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis hey, RobTech, est-ce que si jamais il y a 10 000 pouces bleus, t'es chaud pour revenir dans une nouvelle vidéo? Eh bah avec plaisir les gars, en tout cas je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Et puis d'ailleurs les potes, je vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de RobTech et The Cheese Nut qui sont avec moi. Ils font aussi des vidéos dans la vraie vie et tout, et c'est vraiment trop cool. Regardez un petit peu pour l'instant mon dessin. J'ai évidemment, vous savez, 3 minutes c'est quand même assez peu pour faire un dessin, mais on essaie de faire le mieux possible. Cheese Nut, montre-leur un petit peu ton dessin vite fait. Alors je vais leur montrer, mais il est pas vraiment ouf. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un billet de 50. Bon après il ressemble pas énormément. Et puis d'ailleurs, et on l'a pas dit, mais ce sera à vous dans les commentaires de décider à
à chaque fois lequel est le meilleur dessin quoi. Hein. Donc c'est à vous de décider dans les commentaires les abonnés. Hein. Et attendez, votez pour moi quand même là. Eh non non, votez pour moi les abonnés. Hein. Bon en tous les cas, il y aura plein de dessins à faire. Et dépêchez-vous parce qu'il reste plus que 10 secondes là. Allez, 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 allez. Attendez, j'ai pas fini, oui, oui. C'est fini, allez, déposez les feuilles. Stop, stop, stop. Et si on continue à dessiner, c'est triché si on continue à dessiner. Oui, 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 stop, stop. Arrêtez, arrêtez, allez, allez, j'ai récupéré. Et bien du coup, on a 3 dessins, bah montre-leur un petit peu à la caméra. Le dessin de Tinan, bah présente-le un petit peu Tinan. Bon là comme vous pouvez le voir, là j'ai fait le logo de l'Union Européenne. Là j'ai fait la petite maison, là je sais plus c'est quoi, c'est. C'est une chapelle, je sais pas. Ouais voilà, bah j'ai fait ça. Ensuite bah le 50 des 50 euros et puis voilà. Ok bon bah dessin franchement super sympa de la part de Tinan. Voici le mien comme vous pouvez le voir. Alors j'ai fait la petite chapelle pareil avec la petite étoile au-dessus. Le petit logo de l'Union Européenne qui est pas ouf. Petit logo, le petit télégramme là pour dire comme quoi c'est bien un vrai billet. Voilà mon dessin et du coup Robtek. Alors pour ma part les gars, j'ai vraiment essayé d'aller dans les détails mais j'ai un petit peu du mal à faire les étoiles. J'ai essayé mais c'est compliqué. Après voilà, hein, je vous l'avais dit. Ton étoile il est handicapé hein. En vrai, Sim Spooky, du coup, c'est toi le présentateur, donc du coup, tu dois nous dire quel est le meilleur dessin d'entre les trois. Oh, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. C'est quand même serré là, en vrai, je vous avoue. Attends, attends. Sim Spooky, si tu dis que c'est moi mon meilleur dessin, je te passe de l'argent, t'inquiète pas. Quoi? Mais attends, ça serait la triche ça, non? Qu'est-ce qu'on a entendu là? J'ai rien dit, c'est un tricheur, il est éliminé lui. Tricheur, tricheur. Celui-là de Cheeseman est pas mal quand même. Oh, et le mien? En fait, ils sont tous les trois pas mal, mais je vous avoue, je crois que c'est celui de Cheeseman. Bon, je vais m'acheter un grec hein, pour ce soir, les mecs. Attends, mais peut-être comment on va faire du coup? Faut qu'on gagne la prochaine manche. Va falloir qu'on gère. Hein. Attends, Sim Spooky, est-ce que tu peux me dire quelle est la prochaine manche histoire qu'on puisse savoir le dessin qu'on va devoir faire? Alors, il faudra dessiner un piment, les gars. Est-ce que vous êtes chaud là? Oh, un piment? Attends, mais. Oui, un piment. What? Mais moi, je veux pas gagner un piment. Qu'est-ce qui va se passer du coup là avec le piment? Bah, celui qui perd, il devra manger le piment. Et ça pique ça! Mais ça pique de ouf le piment pour toi! Oui, j'ai pas envie de manger ça moi! Mais est-ce que tu peux nous montrer un peu à quoi il ressemble s'il te plaît? Regarde wow. Mais il est énorme du piment! Mais mec, mais il doit beaucoup trop piquer ce piment là! Il est énorme! Mais, les amis, il doit faire mal aux fesses hein! Les amis, c'est un piment de fou furieux. J'espère ne pas avoir à croquer dedans parce que je pense qu'on va passer un sale quart d'heure sinon. 3 minutes pour faire le meilleur piment et celui qui fait le pire le mange, c'est ça? C'est ça, c'est bon ça. Bon alors les gars, vous êtes chauds ou quoi là? Allez, 3, 2, 1, let's go! C'est parti! J'ai pas du tout envie de le manger hein. Moi de mon côté, je vais essayer de faire un petit peu un gros piment, la petite tige du piment. Alors, on va mettre la petite couleur verte ici là, hop. De mon côté, ça avance bien. Ça dit quoi de votre côté, Robtek et Chinan? Ça va, hein. J'essaye de faire de mon mieux. Oula, toi t'as fait une banane. Hein. Et toi, Tinan, mon tour? Bah, le mien il est bien. Hein. Oh, il est stylé. Il est vraiment stylé. Hein. Encore une fois, je vais gagner. Ah, si je perds, ça veut dire que c'est moi qui ai mangé le piment. Bah, si tu perds, clairement, tu tapes un gros croc. Hein. Oh là, ok, ok, bon, je vais essayer de faire le meilleur piment possible. Allez, regardez pour l'instant, ça donne quoi? Évidemment, on va rajouter les couleurs rouges juste là. Hey, Robtek, ouais. Dis-moi, est-ce que tu penses, à ton avis, que ce piment là il pique de ouf? Ah, franchement, là, j'aimerais vraiment, vraiment pas y goûter. Hein. Ah, les amis, je m'attends au pire. Sim Spooky, avant de ramener ce piment, est-ce que tu sais de quel pays il vient ou si s'il est réputé pour être un pays piment fort? Je crois qu'il vient du Maroc, les gars, pour vous dire. Donc je pense que ça pique fort. Attends, mais c'est sûr, si je connais bien Tinan, le Maroc c'est réputé pour être un des pays avec les piments les plus forts du monde. Ouais, je crois que c'est clairement ça. Il vous reste une minute là. Une minute, dépêchez-vous, allez, allez. Combien de temps à peu près là maintenant? C'est encore 30 secondes, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que je peux faire comme dernier détail? T'as une idée ou pas? Comme détail? Ouais. Tu veux que je t'aide? Non, 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 vous trichez là. Il reste 10 secondes, allez. Je crois que c'est Tinan qui va perdre et qui va devoir manger ça. Bah écoutez, moi personnellement, je dis que mon dessin est fini. Hop, je le mets là. Robtek, toi c'est bon aussi? C'est terminé. Voilà, bah vas-y, mets-le là. Et combien de temps? Et c'est fini. Oh, Tinan, stop. Et bien du coup, les amis, encore une fois, vous pouvez le voir. On a bien les 3 piments juste là. C'est vraiment un truc de ouf. Tu sais quoi, on va commencer avec toi Tinan. Présente-nous un petit peu ton dessin du piment cette fois-ci. Bah du coup là je te montre hein. Du coup là c'est le piment. Là t'as aussi la pointe. Ok. Bon ça c'est la chaleur qu'elle dégage que tu ouais, c'est chaud, ouais c'est ouais, chaud c'est. En plus ça vient du Maroc donc. Exactement, c'est un peu chaud. Ouais. Et ça c'est la flamme bah, pour dire que ça pique quoi en fait. Ok ok. Bah du coup les amis, moi très simple, très basique. Le piment, la petite couleur du piment, la petite tige verte. Et puis évidemment la chaleur que dégage un piment. Que évidemment ça pique de ouf. Et du coup Robtek toi? Bah moi les gars j'ai essayé de faire simple et je pense que ça fait son effet hein. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et évidemment les amis, à chaque fois qu'on fait un dessin, dites-moi dans les commentaires lequel est le meilleur entre moi, Tinan ou Robtek. Et bah du coup Sim Spooky, c'est à ton tour de voter mon pote. Let's go. Par contre je vous avoue c'est vraiment serré là. Tu vas manger celui des Tinan, ouais, Twinner, Robtek. J'ai peur. Je
Je crois que c'est Twinner qui gagne quand même. Gagne. Qui fait le meilleur dessin? Oui, oui, oui. Donc ça veut dire que je mange pas. C'est ça, c'est ça. C'est ça se joue du coup entre moi et Cheese Nut. Oh, qui va manger ce piment? Non, pas moi. Oula, écarte-moi ça là. Je sais pas. Faut regarder au dessin, pas la tête. Bah peut-être faites un Shifumi pour vous départager. Quoi, un Shifumi? Mais attends, mais non, mais vraiment, c'est quand même moi le meilleur dessin. Normalement, il faut dire c'est qui fait le meilleur dessin. Hein. Oh. Tiens, Robtech deuxième. Je veux voir ça les gars. The Cheese Nan va manger le piment le plus fort du monde qui vient tout droit du Maroc. Et bah du coup Cheese Nan, c'est parti. Tu vas devoir manger ce piment extra méga giga fort. Je crois que Cheese Nan il va passer un sale moment là. Tu sais quoi, hey, on va te donner un décompte, ok? Allez, 3, 2, 1, go. Maintenant. Triche. Hey, écrivez dans les commentaires Cheese Nan le tricheur. Il y a un tricheur là. Vas-y, mange le, fais-nous plaisir. Allez. Ok, bah je mange un petit bout. Un tout petit bout, vas-y. Ok, 1, 2, 3. Oh, oh là là. Ça va? Ah, de l'eau. Du lait. Je crois que c'est vraiment un piment super fort. Oh, Cheese Nan, ça va? Cheese Nan. Ça va, tiens. Ouais, mec, il me faut du lait là. Tiens, viens, un verre. Ça va, Cheese Nan? Oh. Oh, ça pique de ouf. Eh les gars, je crois que Cheese Nan là, il a passé un sale quart d'heure à mon avis. C'est chaud là. Vous l'écoutez? Non. S'il y a 10 000 pouces bleus sur la vidéo, je tape un croc pour vous les abonnés. Donc mettez plein de likes et abonnez-vous à la chaîne. Bon, et bien du coup nous sommes de retour. Cheese Nan s'est un petit peu rétabli. Ouais, mais moitié, il est pas content quand même. En tout cas, Cheese Nan est revenu puisqu'il veut évidemment participer au prochain jeu. Et apparemment, il y a du lourd. Sim Spooky, explique-nous un petit peu tout ça. Alors, je vous remets au défi de dessiner Spider-Man. Alors, vous êtes chaud ou quoi, les gars là? Attends, Spider-Man? Ouais, Spider-Man. Mais attends, et si on gagne, si on fait le meilleur dessin de Spider-Man, qu'est-ce qu'on a le droit? Mais ouais, je vous ai pas dit, celui qui aura le meilleur dessin pourra boire la potion, les gars. Oh, quoi? La potion attends, Spider-Man? Fais voir. Attends, mais Cheese Nan, Robtech, si on boit cette potion, il pourrait nous arriver quoi, à votre avis? Je crois que tu te transformes en Spider-Man, non? Mais attends, mais il nous arrive quoi si on boit cette potion au juste? Celui qui boit la potion aura la chance de voir Spider-Man, alors, les gars, vous êtes chaud ou quoi? Oh, les amis, ça c'est vraiment un truc de ouf. Eh bah écoute, Cheese Nan, en plus toi tu kiffes Spider-Man. Ah, de ouf. Mais on verra quel Spider-Man. Mais peut-être tu penses qu'on pourrait voir lequel? Je sais pas du tout en fait. Et bah en tout cas les amis, dès maintenant, c'est parti. Faisons le meilleur dessin de Spider-Man. Je prends le rouge, Cheese Nan. Là. C'est parti. J'ai le rouge moi aussi. Quoi, ça a déjà commencé? Allez, ça commence. Allez, c'est parti. 3 minutes. Allez, 3 minutes du coup les amis pour faire évidemment le meilleur dessin de Spider-Man. Nickel, c'est parfait les amis. Alors, c'est parti, le compte à rebours est lancé les gars. Allez, dépêchez-vous là. C'est parti les amis. Là de mon côté, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer de faire un petit peu les yeux de Spider-Man, on va dire. Ok, alors Robtech, vas-y, dis-leur un petit peu ce que toi tu fais. Ah bah moi c'est un petit peu compliqué le dessin et moi c'est pas trop ça, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors attendez, là j'essaye de faire la tête. Ok, et toi Cheese Nan de ton côté? Bah moi j'essaye de faire le corps complet en fait hein. Oh, il a l'air stylé ton dessin à toi hein, Cheese Nan. Bon, là c'est que le début, donc pour l'instant c'est vraiment que la silhouette. Oh les amis, si c'est Cheese Nan qui a la chance de voir Spider-Man, il va avoir trop de chance puisque je crois qu'il va t'offrir plein de cadeaux hein. Ah ouais, en plus je suis vraiment fan de lui hein, donc j'ai vraiment envie de le voir. Combien de temps il nous reste à peu près, Sim Spooky? Il vous reste à peu près 1 minute 30. Allez. Ouais, déjà. Mais ouais, déjà. Mais les amis, le compteur est trop rapide hein. Mais bon, allez, dans tous les cas c'est le jeu. Alors moi je me suis plus focalisé sur sa tête parce que le corps c'est compliqué. Mais voilà, pour l'instant ça ressemble à quoi? Alors bon, c'est pas incroyable encore, mais attendez que je finisse les derniers petits détails et ça va être pas mal. Pour l'instant je crois que c'était celui de Twinner hein. Ah les amis, let's go. Dépêchez-vous, il reste plus que 30 secondes les gars. Okay. Que 30 secondes déjà? Oh, le dessin de Robtech. Oh, il est moche. Wow, arrêtez hein. Wow. Ça y est les gars, c'est bon, c'est fini. Ah, ok. La triche. C'est bon, j'arrête. Voici les 3 dessins que nous avons fait. D'accord, que celui qui fait le meilleur dessin boit cette potion et voit Spider-Man dans la vraie vie. Oui, c'est bien ça. Oh là 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 là. Je sens que la victoire elle est à moi. Mais bon, on va quand même montrer tous les dessins. C'est parti. Je crois que j'ai un petit peu raté, mais bon, voilà. Hey, Cheese Nan, pas mal aussi hein. Bah ouais, j'ai fait Spider-Man en fille. Ouais. Donc là, comme t'as pu le voir, j'ai mis du violet au lieu du rouge. Ouais. Et en vrai, ça fait l'affaire. Hein. Franchement, ça va. Mais le mien quand même. Les abonnés, à chaque fois qu'on fait un dessin, vous votez. Et du coup, Sim Spooky, qui a fait le meilleur dessin? Bon, par contre, là, je pense que Twinner a largement gagné, les gars, comme vous pouvez le voir. Elle a pas d'effet secondaire. À ce niveau-là, je suis pas très bien renseigné. Pour le coup, Tech, Cheese Nan, vous pensez que ça va le faire ou pas? Bah en vrai, je pense que ça va faire l'affaire, hein, vu que c'est la potion de Spider-Man et pas d'un méchant, donc je pense que
je pense que ça va te faire des super pouvoirs. Je commence à avoir vraiment peur, les amis. Regardez la couleur de cette potion. Bah écoutez, on va quand même la boire et puis on verra bien ce qui va se passer dans tous les cas. On verra bien. C'est parti. Ah, je dois finir jusqu'au bout, tu penses? Bah ouais, Bah si tu veux le voir, il faut le terminer, hein. Ça a quel goût? C'est que ça fait comment? Ah, mais c'est trop bizarre, c'est sucré. C'est, en fait, c'est super sucré, en fait. C'est trop bizarre comme goût de potion. C'est peut-être de la pisse d'araignée, hein. Ah, tu pensais du pipi d'araignée? Ah bah j'espère pas, mais... Ça avait un goût bizarre, j'espère que c'était quand même pas du sang. Mais en vrai, c'était bien sucré, donc je pense pas. Oh, qu'est-ce qui s'est entendu? Si t'as entendu? Il y a un bruit bizarre vers là-bas. Oula, on va aller voir. Ça vient d'où tu crois? Je sais pas, peut-être la cuisine. Bon, les amis, je vais aller voir dans la cuisine ce qui se passe, mais c'est vraiment bizarre. Tizen, toi aussi t'as entendu? Ouais, mais il y avait un petit bruit, c'était... Viens, on va aller voir en fait. Bon, bah les amis, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine. C'est parti, let's go. Bon allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu, mais les bruits viennent de la cuisine? Je crois que ça vient de la cuisine. Attends, on va aller vérifier un petit coup vite fait pour voir. Bah, les amis, Spider-Man il est pas dans la cuisine pourtant. Bah non. Bon, les amis, je crois qu'on a une nouvelle mission qui s'ouvre à nous, c'est de retrouver dès maintenant Spider-Man. Tizen, tu penses qu'il peut se cacher ou pas? Oh, mais c'est une araignée peut-être dans le toit. Regarde, regarde sur le plafond. Regarde sur le plafond peut-être s'il est quelque part. Sous là, là, quelque part. Non, on le voit pas, hein. Peut-être que t'as une idée d'où est-ce qu'il pourrait être. Je sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait être là en fait. Tu penses qu'il pourrait être où, Spider-Man? Alors là, je sais pas du tout, mais on va chercher. Vas-y, viens, viens. Venez un peu par là. On va fouiller un petit peu dans la maison. Où est-ce qu'il pourrait être? Tizen, t'as une idée ou pas? Wesh. Quoi? Cette jambe? Wesh, y'a des wesh. What? Mais. Mais tu l'aimes trop en plus. Ouais. Mais les amis, mais il y a le vrai Spider-Man chez Rampage. Oh là là, du coup on a tous eu l'occasion de le voir là en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Les amis, mais Spider-Man, c'est moi Spider-Man. Mais je suis trop content. Regardez-vous, on est pas des méchants. Mais non, on est des gentils, on est des gentils. Eh, écoute Spider-Man, Cheeseman, moi et Robtech, on est super fan de toi. Ça te dirait qu'on passe un truc pour toi? Dis-moi, t'as donné pour quelque chose? Pas spécialement, mais... Moi je prends une photo. Oh, les amis, venez voir. Oh ouais, la photo. Eh, en vrai les amis, on est super fan de Spider-Man. Donc ce qu'on vous propose, c'est que dès maintenant on va se prendre une photo nous tous. Vas-y, vas-y. Allez, la photo. Allez, c'est parti. Vas-y, let's go, on va tous se prendre une petite photo. Vas-y, bah d'abord là et après sur la caméra. Vas-y, petite photo. Nickel, voilà, et sur la caméra, let's go! Dans les commentaires, si vous aimez vous aussi Spider-Man, n'hésitez pas à le dire et puis bah, à la prochaine! Oh, attention! Hey, avant de partir, il n'y a pas un petit super pouvoir que tu as pour nous montrer un peu? Bien sûr, attends. Oh. Bah, venons, on va le regarder un peu. Fais voir, vous êtes prêts là? Il va faire quoi, ton ami? Je sais pas. Je sais pas, vas-y, montre-nous. Fais voir. Wesh, t'es trop fort. Il était en train de faire des tractions. Allez, ciao. Ok, à plus. A plus, Spider-Man. Je suis trop content. Par contre, ce qui est ouf, c'est que vous avez même pas besoin de boire la potion, que vous avez eu les mêmes effets que moi. On l'a vu. Et bah les amis, c'était en tout cas incroyable, j'ai kiffé. Mais avec tout ça, on n'a pas les nouveaux dessins à faire quand même. Je crois qu'on a encore pas mal de dessins et pas mal de choses à gagner, hein, ouais. Les amis, on a encore un très gros lot qui arrive. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça m'a parlé de Oogie Boogie qui pourrait apparaître et ça peut être vraiment bien chaud. Bref, let's go, retournez là-bas. Bon les gars, vous êtes prêts ou quoi là? Je vous remets au défi de dessiner la représentation de Momo là. Attends, fais voir un petit peu la représentation de Momo. Wesh. Les amis, comme vous pouvez le voir, je crois bien qu'on va devoir dessiner Momo. Alors les amis, franchement j'ai pas trop envie de rencontrer Momo. Attends, explique-moi du coup, parce que ça c'est pas un cadeau ça, moi je veux pas voir Momo. Non. Attends, je vous ai pas dit en fait, celui qui aura le dessin le plus nul, et bah Momo va le dévorer en fait. Quoi? Mais je veux pas que Momo me mange moi. Y'a un de nous trois qui va mourir là. C'est ça, il va se faire dévorer là ce soir. C'est très très chaud là. Wow. Et bien les amis, dès maintenant, avec Croptech et The Cheeseman, on va essayer de faire le meilleur dessin possible en 3 minutes, hein, donc c'est vraiment rapide. On doit évidemment faire Momo. Alors, dis-moi un caractéristique de Momo là, vas-y vite fait là. Bah là, comme vous pouvez très très bien le voir, il a des yeux énormes, il a une bouche, ça fait vraiment vraiment flipper quoi. Ouais les amis, franchement, Momo est pas là pour rigoler. Ouais. Donc les amis, c'est parti, à partir de maintenant, let's go, on a 3 minutes pour faire Momo. Je démarre le compte à rebours. Les amis, c'est parti, on a donc 3 minutes pour faire le meilleur Momo possible. Alors les amis, pour une fois, je vais essayer de m'appliquer un petit peu et d'y aller un peu fort là. Vous allez voir que là, Robtech et Cheeseman, c'est pas moi qui vais faire le pire dessin, vous inquiétez pas. Hein. Allez, c'est parti les potes, let's go, on va essayer de faire Momo comme vous ne l'avez jamais vu. En tout cas... Donne-moi ça toi. Allez, stylo. Oh, Cheeseman, stylé. Bah, j'ai commencé par faire les gros yeux, tu vois. Ah ouais.
ouais. Eh les amis, Cheeznan, il commence pas mal, hein. Franchement, ça avance bien du côté de Cheeznan. Les amis, j'espère que c'est pas moi qui vais perdre et qui vais devoir me retrouver avec Momo. Parce que sinon, les potes, ça va être chaud. Je vais vous montrer un petit peu, voilà. Bon. On reconnaît Momo en vrai de vrai. Mais là, je suis vraiment impressionné. Attends, parce je pense que tu devrais rajouter ça là. Ah, c'est quoi? C'est une petite crotte de nez. Ah, regardez. Momo, il a une crotte de nez, les potes. Ah, oh, berk. Ah, le mien, il est bien fait. Hein. Il est bien stylé. On dirait vraiment Momo. Il manque juste les couleurs. Et je pense qu'il est super bien fait. Les amis, Cheeznan nous a fait un dessin du turfu. Personnellement, je crois que c'est pas lui qui va se retrouver avec Momo. Hein. Par contre, Robtek, ça va se jouer entre nous, je crois. À moins que. Oh, hey, mais Cheeznan, il fait un truc pas mal aussi là, Robtek. Regardez, regardez. Oh, il est vraiment stylé. Regardez, pour une fois qu'il dessine bien. Pour une fois, là, pour le coup, j'ai essayé de m'appliquer, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. T'as pas envie de mourir, hein? Ouais, non, les gars, j'ai pas envie de me retrouver en 1v1 avec, avec Momo quand même. Il s'agit quand même de Momo, les gars. Ouais, les gars, là, c'est chaud. Faites attention parce qu'il vous reste une minute là. Allez, dépêchez-vous là. Momo, le connaissant, il devrait avoir un t-shirt avec un peu de sang. Donc, on va lui faire des petites gouttes de sang. Hop, voilà, hop. On va lui mettre des petites gouttes de sang bien sombres là, comme ça. Pour l'instant, mon dessin, ça donne un Momo avec une grosse crotte de nez. Regardez ça, le voilà. Plus que 15 secondes là, allez, dépêchez-vous là, allez, 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 allez. On se dépêche, on se dépêche. Plus que 10 secondes. Oh les amis, je veux pas qu'il y ait Momo qui débarque chez moi quand même, hein, parce que ça serait un petit peu tendu. Ok, 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 stop, stop, okay. c'est terminé, allez, allez, allez. Oh, eh, là, il y a du level, hein. Là, ça se joue. On va commencer avec Cheeznan, c'est parti. Alors, du coup, Cheeznan, présente-nous un petit peu ton dessin. Bah là, je t'explique, hein, c'est très simple. Du coup, là, devant vous, vous avez Momo, voilà. Et là, comme vous pouvez le voir dans sa bouche, j'ai rajouté du sang, puisqu'effectivement, Momo, bah, elle mange ses victimes et tout. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est comme couleur, ça? C'est le curry? Mais non, c'est la couleur de sa peau, et j'étais sérieux, quoi. Mais Momo, c'est un Simpson là, ton jaune là, comme ça? Bah non, c'est de couleur. Non, là, je pense que tu t'es raté là. Alors, moi de mon côté, on a fait un Momo qui s'est pris des balles dans le torse pour je ne sais quelle raison, mais elle a dû faire des bêtises. Et puis, bah voilà, ses petits cheveux, ses gros yeux, son nez avec une crotte de nez. Ouais, non, pas mal, pas mal. Allez, à mon tour en tout cas là, bon bah regardez, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Donc voilà, ses yeux qui sont énormes. Et regardez, j'ai ajouté des panneaux danger parce qu'il s'agit quand même de Momo, hein. Écoute, Sim Spooky, c'est maintenant à ton tour de décider du sort de quelqu'un entre nous. Oh là 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 là, les gars, je vous avoue là que c'est vraiment vraiment serré là. Regardez là, je vous avoue. Oh là 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 là, attendez, attendez. Cheeznan, Twinner, Rotek. Oh là 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 là. Bon, écoute, tu sais quoi, on va faire par élimination. D'abord, tu dis c'est lequel le meilleur et après c'est lequel le pire, ok? Ok, ça marche. Vas-y. Bah, le meilleur. Je dirais Rotek. Allez. Oh, oh Rotek, yes. Il est épargné. Le dessin de Rotek. Mais pas mal, hein. Dans les commentaires, dites-moi c'est lequel le meilleur encore une fois, mais je pense pas que c'était celui de Robtek. Mais bon, honnêtement, je pense que vous êtes des mauvais joueurs là. Quoi, je pense que vous êtes des mauvais joueurs. Non, pas. Pas du tout. Écoute, on est plus qu'en 1v1. Les amis, j'espère que c'est pas moi qui ai le pire dessin parce que sinon ça s'annonce très très mal pour moi. Là, je crois que ça se joue entre Cheeznan et Twinner. Alors, celui-là il est trop bien, regarde, il est grave bien. J'ai peur, les poils. Je crois que c'est celui de Twinner. Quoi? Le deuxième c'est celui de Twinner. Oui, oh, je crois que Cheeznan là, je crois que Momo va tout de suite venir là, fait attention là. Quoi? Je vais devoir me battre contre Momo. Mais, oui là, je crois qu'il arrive bientôt là. Entre nous, on est pas à tes taux, je vais pas te laisser tomber quand même. Ah ouais. Écoute, on va se combattre tous ensemble. Vous allez me défendre. T'inquiète pas, on va s'allier. Ouais, les mecs. On va s'allier, les gars. Nous trois, Cheeznan, Robtek et moi contre Momo. Vous inquiétez pas, c'est nous qui allons gagner le combat. Je crois qu'on va le défoncer, hein. Eh, écoutez, je crois qu'on a des armes. On a des armes. Vas-y, tiens. Qui prend celle-là? Moi, donne-moi celle-là. Je pense que nous sommes tous équipés pour aller combattre Momo. Et dès maintenant, abonne-toi tout de suite à la chaîne, là. Abonne-toi. Parce que sinon, on sait pas ce qui pourrait arriver. Peut-être Momo aussi, mais bref. En tout cas, on est tous armés. Chargez vos armes. Ok, Cheeznan, fais voir. C'est moi, il est bien Géchard là. Ok, parfait. Et bien, du coup, les amis, c'est parti. A ton avis, où est-ce que pourrait être Momo? Parce qu'apparemment, il est déjà sur place là. Peut-être que tu peux savoir. Bah, je sais pas en fait. Bon, écoutez, on va pas faire de bruit et on va écouter. T'as entendu? Ouais. Je crois que ça vient du sous-sol, les gars. Sous-sol. Attends, t'es sûr que c'est le sous-sol? Ouais. Approche. Attends, ça grimpe par ici. Attends, vas-y, viens, on va écouter si. Écoutez, y a un bruit ou pas? Il y a un truc qui grince à l'intérieur. Mec, mais il y a un truc qui grince là-dedans. Wesh,
Mais bon, et bah attends, c'est quand même Chinan qui a perdu, donc c'est à toi d'ouvrir la porte, hein. Ouais, non, c'est vrai. Les amis, comme vous le savez, Chinan a perdu le défi, donc c'est pas moi quand même qui vais ouvrir la porte, mais vas-y Chinan, ouvre-la. Oui, vous avez peur ou quoi les mecs? Mais oui, j'ai trop peur, regarde, ça gratte et tout, et ça toque, c'est trop bizarre. Bah écoute, Chinan, t'es chaud pour ouvrir la porte? Pas trop chaud, mais je vais devoir le choix, faire. T'as pas le choix, t'es obligé de le faire. Vas-y, c'est parti, ouvre la porte. Oh, les gars, j'ai peur. Y'a quoi? Ah oui, non. Mais vite, la porte elle est bloquée, les amis. Elle est bloquée. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Optek, maintenant? Oh là là, les amis, y'a Chiznan qui vient de se faire capturer. Optek, viens, on descend en bas et on va aller sauver The Chiznan dès maintenant. On y va? Les amis, mission, aller retrouver The Chiznan et le sauver, les amis. Pour on va essayer d'aller l'aider. On va essayer de tout faire pour, en tout cas. Allez, tu viens en premier? J'ouvre. Vas-y, allez. J'ouvre et tu y vas. Ok, vas-y. Les amis, c'est parti. On va descendre en bas dans le sous-sol et sauver Chiznan. On va faire de vous, les amis. Il faut être très discret, puisque évidemment, il peut se passer des trucs bizarres. Bon, les potes, comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement dans la base secrète à Momo, je pense bien. Bah, c'est le sous-sol en fait, et ça m'étonne pas qu'il ait apparu à ce niveau-là. Hein. Bref, t'es chaud pour qu'on essaye de trouver Chiznan? Ouais. Allez, c'est parti, les potes, let's go. Il y a Momo, les gars. Les amis, on fait quoi? Comment on peut le sauver? Je sais pas. Va falloir l'aider, hein, en tout cas. Bon, les amis, à 3, on va partir à la charge et on va aller combattre Momo. Les amis, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, attaque! Allez, go! Ok, merci. Ça va? Oh, il m'a fait du mal. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, Momo? Oh, il était en train de me taper dans la tête, je sais pas ce qu'il voulait. Ça va, ta tête? Bah, vite fait, hein, j'ai légèrement mal à la tête, là. Bon, et bah, écoutez, les amis. Regardez, là. Momo est juste là, comme vous pouvez le voir. C'était peut-être pas une bonne idée de jouer avec lui, mais je vais aller me manger, là. Vas-y, tu veux? Ok, les amis. Moi, crève. Let's go. Oh là là, ferme-moi bien cette porte. Vas-y, hop là, vas-y, ferme-la. Voilà, ça y est, la porte est fermée. Bref, les amis, mais vraiment vidéo de dingue avec des invités vraiment spéciaux. Robtek, Chiznan, Simspooky d'ailleurs. Ouais, Simspooky, hein, qui a été quand même très généreux. Hein. Il a donné 50 euros. Qui a gagné les 50 euros? C'est moi, c'est Et bah franchement, merci beaucoup Simspooky. Merci Robtek de m'avoir invité chez toi. Et puis merci Chiznan d'avoir participé à la vidéo. Et merci surtout à vous tous les abonnés qui ont regardé la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait dès maintenant, abonne-toi, like la vidéo. Et puis sur ce, les potes, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.